Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur cette actuelle play Donjons et Dragons sur une campagne du coup non officielle et complètement inédite. Les amis, c'est la dernière session avant une grosse pause. On va se faire une pause juillet, août et sûrement septembre aussi, et on reviendra du coup en octobre pour la suite de l'aventure. Donc là aujourd'hui on va terminer l'arc 2. Sur ce, je vais aller rejoindre les joueurs. Hop, tac. Et bonjour messieurs. Salut. Salut. Alors du coup, je vais vous faire le résumé de la session précédente. Est-ce que vous pouvez juste me dire quelqu'un, parce que comme je n'ai pas de retour, si le stream est bien, est stable et si on entend ma belle voix? Histoire que je Ouais, ça fasse. va. Quelque chose me dit qu'on entend ta voix, Ah mais sur le live. Ah, la belle voix. Sur le live. Voilà. Ok. Donc, messieurs, petit résumé de la session précédente. Donc, dans la session précédente, les aventuriers ont trouvé la planque de Nuku. Ils se terrent dans la crypte de la famille Gozel, les croque-morts qui s'occupent de la cité des morts depuis des générations. Après avoir vu un étrange vieillard y pénétrer, ils entrent à leur tour dans les profondeurs. Ils évitent habilement les pièges, libèrent trois cochons et se lient d'amitié avec un bouc, qui décide de les suivre. Malgré que celui-ci semblait être possédé avant leur arrivée. Puis, ils tombent sur une statue entourée par quatre flammes. Quatre énigmes sont réparties sur les côtés de la statue. Les instructions précisent que quatre personnes différentes doivent répondre à l'énigme pour récupérer la pierre d'Yun qui se trouve dans les mains de la statue. Après quelques tentatives infructueuses, qui fait passer Bodinok à la lisière de la mort, les aventuriers récupèrent la pierre. Le patron de Bodinok le met en garde et quelque chose semble grandir dans le gnome. À peine le temps de comprendre ce qu'il se passe, une porte s'ouvre et Myrlen entend la voix de Nuku qui les invite à entrer. Il a avec lui deux revenants qui semblent fous de rage envers Bran et Karas. Le combat commence, mais Nuku a piégé toute la salle de toile d'araignée, ce qui complique la progression. Bran est paralysé, mais finit par se ressaisir et résiste à la peur. Myrlen invoque un crocodile qui ne fait pas long feu face à Nuku qui s'est transformé en araignée géante. Caracas se faufile et semble chercher le bâton noir. Karas, quant à lui, n'a pas reconnu le revenant et lui assène un coup d'épée enflammé. Il remarque aussitôt que les blessures qui, avant cela, se refermaient, cette fois restent béantes. Enfin, Bodinok tente de libérer Bran des toiles quand soudain il se fige. Et nous allons reprendre. Donc je coupe cette musique-là. Et hop là, on y retourne. Hop là, avec la musique. Moi, je Très suis bien. en waiting for GM. Hein. Ouais, je vous invite, ça c'est parti. Hop hop hop, hop là. Mais je me Normalement. souviens pas que j'étais libéré et déparalysé. Hein. Si me semble-t-il de mémoire. T'avais réussi ton jet. Donc tu n'étais plus paralysé, par contre tu étais encore dans la toile. Et nous allons reprendre le combat, donc c'était au tour de Myrlène. Alors, est-ce que je peux avoir une vue d'ensemble, s'il vous Caméraman! plaît? C'est sûr que. C'est là? Non, c'est ça. C'est quoi le nom de ton personnage grec déjà? Je sais plus. Bran! Oui, Bran, voilà. Je sais pas, j'ai eu un trou de mémoire. C'est sûr qu'il est libéré là du coup? Il est plus Je suis toujours dans paralysé, la Non, il est pas toile, mais libéré. il est dans la toile. Il n'est Il plus est toujours dans la paralysé toile. par la peur, mais il est là dans la toile. Sachant que Nuku a balancé une toile ici. Attends, j'ai pas vu parce que je regardais ma fiche. Ouais, juste devant moi. Ouais, c'est ça. C'est Caracas qui fait le rayon de 9 mètres là. Je vois pas ce que tu parles. ça, je peux pas. Alors, si je fais ça. Alors, faut que je le touche. Limite, j'aimerais bien, c'est enflammer la première toile, mais bon, ça commence à prendre.
Bran il va cramer. Je peux pas faire grand chose en vrai. Une fois que tu mets du feu avec une torche, ça suffit pour normalement pour dégager la toile. Bah, j'ai même pas besoin d'une torche, j'ai de quoi produire une flamme, mais le truc c'est que vous risquez de brûler quoi. Bah, y a Botinoc dessus, ouais. Mais la toile ne brûle pas Karras assez pour aussi. Mettre le feu aux gens, hein, si je me souviens bien. Bah, vu que vous êtes pris dedans, je sais pas trop. Je suis en train de regarder. Non, mais personnellement, je ne prendrai pas l'œil. Bah, dis-nous, Jérôme, parce que mon pire. Si, les toiles sont inflammables. Un cube de toile de 1m50 d'arête exposé au feu se consume en un round, causant 2d4 de dégâts de feu à toute créature commençant son tour dans les toiles enflammées. Après, si. Ah, bah, tu vois. Là, honnêtement. 2d4. Ah, attends, si. Ouais, 2d4, ça va faire 4 points de dégâts, quoi. Après, tu sais, et que moi, j'ai juste à poser mon épée, de sur la toile, je la fais cramer. Hein. On est d'accord, là, il y a personne au contact de l'araignée. Sur la toile, c'est alors, messieurs, je vais vous mettre un timer pour le combat. Ah oui. Tac, 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 parce que je n'ai pas trop en temps de discussion, donc je vais mettre... Est-ce que je peux voir la zone de l'araignée, s'il te plaît? Juste pour savoir. Alors, est-ce que je pourrais lancer... Ah non, je peux pas, je le vois pas. De toute façon, t'as pas la vision. Non, je vais reporter mon tour, hein, parce que là, je vois pas ce que je peux faire. D'accord. Tu vas retarder? Ouais. Donc tu le retardes après qui? Ouais, je sais pas qui rejoue après Bodylock. Il y a Bodylock et après Karras. Bah, après Karras. Ok. Hop là. Tac, donc on revient. Ton bouc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que lui il peut commencer à manger la toile? Il peut faire que ça. Là pour l'instant il va avoir du mal à passer vu que t'as retardé ton tour, t'es devant lui donc. Tu reportes aussi le tour de tes animaux ou pas? Bah, l'ours il peut le griffer la toile, il peut se la déchirer. Il peut faire un test de force pour essayer de la péter, ouais. Je vais reporter le tour de la chèvre et puis je vais faire ça avec l'ours. Ok, d'accord. Donc on revient sur l'ours. Donc ton ours. Donc test de force. Tatatac. Alors hop, je reviens sur la toile. Attends, je regarde à combien il est. L'ours, il a plus 4 en force. Alors ça fait 18. Ok, 18, je regarde. Toc, c'est où ça? Ça passe. C'était le dé était de 17. Donc tu pètes cette toile là. Bah, la première pour progresser, ouais. Tu au moins délivres à body. Ah, mais. Fin du tour de ton ours. Je vais juste le faire avancer près de la deuxième toile. Ok. Bodinok, tu vois du coup Bodinok qui en fait commençait à essayer de te libérer Bran, et à ce moment-là, il s'arrête de bouger. Il bouge plus, tu vois qu'il est comme figé. Bodinok ? Ouais, Karras. Et moi je suis libéré ou je suis pas libéré ? Pas encore. Là, l'ours, en fait, l'ours a pas réussi. Si, mais il a enlevé l'autre toile, l'ours, en fait. La toile qui était là. Oh, tu vois, il y avait une toile ici. D'accord. Et il a pété cette toile-là. Là, il est en train de se diriger vers toi pour te libérer. Karras. Bah, je vais essayer de libérer Bran. Ok, bah pareil, fais-moi un test de force. Ok, bouge pas, je te fais ça. Alors, tu fais un test pour libérer Bran ou pour péter la toile? Pour péter la toile, ça le libère en même temps. Oui. Mais pourquoi il fait un test s'il a pas son épée enflammée? Tu vas prendre des dégâts. Ah bon, d'accord. Bon bah. Tu prends 2d4 de dégâts au cas où, donc c'est un peu con quoi. Moi je peux pas heal tant que ça, hein, donc. Fais-moi ton test de force. DD17 du coup. +2 parce que j'ai encore +2, 23. Ouais, au large, donc t'arrives, tu exploses la toile. +9 en force. Tu exploses la toile et Bran. +9 en force. Oui, mais ça, tu le comptes de mettre de tête. Surtout, t'as fait le jet de sauvegarde, t'as pas fait le jet de force. T'as pas cliqué sur le bon endroit. C'est pas grave, il a fait combien à son jet de dé?
Ouais, ouais, non, mais le jet de dés est tellement monstrueux qu'il n'y a pas de soucis. Donc c'est bon, tu pètes la toile sans problème. Myrlène, du coup, c'est à toi, t'as retardé ton tour. Alors du coup, je vais m'approcher bah, autant que possible, hein. Au niveau de mon ours, quoi, à peu près. Et j'ai qu'une action, là. Ah ça bah... prend deux actions, ça, Jérém? Oui, peut-être. Jérém. Ah oui, oui, pardon. Peut-être que je vais déplacer. C'est une action. Ça prend deux actions. Oui, c'est une action complexe pour. Action complète. Ok, d'accord. Alors okay. Attends, Myrlène, où est-ce que tu es? Moi, je suis un peu plus en arrière. Donc, tu t'avances vers ton ours, ok? Alors, du coup, est-ce que... Ouais, là, l'araignée, elle est dans mon champ de vision, hein, normalement. En toute logique, je pense que oui. Alors, de toute façon, au pire, tu peux te mettre là, j'y vais... Ah! Là, hop, tac. Ouais, voilà. Voilà. Parce que je vais lancer ma javeline de foudre avec tout ce qu'il faut pour... Pour lui infliger des dégâts. Hop là. Tac. Ouais, ouais, t'as une belle ligne de mire là. Et il a une belle ligne de mire, Len. Ah. Allez, elle est belle, elle est belle. Ah. Jeu de mots. Du coup, ça fait 19 pour toucher. 19 pour toucher, ça passe. Ok, faut que tu fasses un jet de sauvegarde de dextérité. Des D14. Dextérité, je dois pas être mauvais, je pense. Bon, j'ai fait déjà un 16, donc c'est bon. Ouais, bah du coup, je prends 6 de dégâts au lieu de 12. Je prends 6 de dégâts, d'accord. Voilà. Bah, ce sera la fin de mon tour. Il faut faire un jet de toucher et il y a un jet de sauvegarde. Bah, en fait, c'est juste pour voir si les dégâts ils sont réduits de moitié ou pas. Ouais, mais c'est bizarre qu'il y ait un jet de toucher et c'est un jet de sauvegarde. C'est une javeline, donc il doit y avoir un... Parce que souvent, c'est l'un ou l'autre, en fait. En fait, c'est je crois ouais. Que, en gros, t'as les dégâts de la javeline et après, t'as les dégâts de la foudre, non? En fait, t'as les dégâts de la javeline s'il réussit son jet d'attaque, et après t'as un jet de sauvegarde pour voir s'il prend les dégâts max de foudre. Mais t'es sûr que je prends que 6 de dégâts avec une javeline de foudre? Non, il manque les dégâts de la javeline, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Attends. Chaque créature sur la ligne. Ah oui, 4 dégâts. Ah oui, pardon. Non, c'est moi qui. C'est moi qui avais mal lu. Et il n'y a pas de jet touché, hein? Ouais, bah du coup, c'est. Non, du coup, ouais, c'est. Non, c'est attends, moi qui avais mal lu, pardon. Faites une attaque à distance contre la cible. Si vous la touchez, elle subit les dégâts de la javeline, plus 4d6 de dégâts de foudre. C'est ça. Le 12, c'est les 4d6. Donc là, il prend que 6, c'est sûr, dessus. Ouais, mais il y a les dégâts de la javeline. Attendez, deux secondes. Pause, les gars. Là, je reprends la main. Tu as fait les dégâts. Tu as fait quoi comme lancer, là, Myrlène, pour les dégâts? J'ai juste lancé les javelines. D'accord. C'est quoi? C'est les dégâts de la javeline que tu as fait, là, c'est ça? Non, c'est les 4d6 ouais. De foudre. Oui. C'est les 4d6 de foudre qu'il a fait? Ouais, il a pas fait les dégâts de la javeline. Donc, fais les dégâts de la javeline. Je sais pas quels sont les dégâts de la javeline. Ouais, je sais pas non plus, parce que moi, à chaque fois, j'ai lancé que ça, donc... Eh ben, c'est simple, tu prends les... Attends, je vais aller voir, c'est les dégâts d'une javeline, avec... Ouais, je suis en train d'aller voir. Un d6, je suppose. On a vu une javeline, c'est soit un d6, soit un d8, peut-être, mais... Tac, ça marche pas... Alors... C'est 10d6. Ça fait... Ouais, un d6 perforant. Alors, tac... Plus la force. Plus ta force, ouais. Oh, c'est un des super forts sur la DD. Quoi qu'il la lance, c'est peut-être plus de dextérité, non? Je sais pas. Moi, je dirais dextérité, allez. On part sur la dextérité. Ok, donc ça fait 4 plus... Je sais combien... Bah, ça fait 5. Plus 5, du coup. Très bien. Ouais. Ok, donc tu plantes ta javeline qui se plante dans l'araignée. Et c'est autour de ton bouc. Tu vois que ça n'a pas l'air d'avoir pris grand-chose, hein. Ouais, alors mon bouc qui est toujours en arrière, bah du coup je vais le faire avancer à la moitié, voilà là. Ok. Tac. Caracas. On va sortir. Alors bah Caracas par une action bonus, il va utiliser sa main de mage pour faire tomber la torche et l'envoyer ici. Là. Ok, donc bah pas de souci, hein, ça elle brûle en un tour. Et du coup, fin de mon tour. Je reste caché derrière la poutre. Hop là. Bran. Ben, écoute... T'as combien de points de vie, s'il te plaît, Bran? Bah, moi, je suis au max, j'ai rien pris. Hein. Ah oui, ok. C'est ce que je voulais vérifier.
Moi, j'ai juste pas bougé. J'ai rien pris du Effectivement. Tout. Effectivement. J'ai un moi devant moi. Le salopard qui est... Enfin, oui, oui. L'horreur qui était mon ami avant. Donc, je vais faire mon attaque normale. Et puis... Enfin, mes deux attaques, puisque maintenant j'ai deux attaques. Et je vais rajouter les... en action bonus mes deux bras. Voilà. Pour l'instant, je vais faire simple. Donc, c'est de l'attaque argent et... Comment ça s'appelle ? Magique. Argent, radiant. Magique et... Radiant. Merci. 1, 2, 3, 4. Oh, bah, je pense qu'il prend 11 points. J'ai pas les yeux sur le résultat, donc faut me dire le résultat. 20, 11, 8, 23. 20, alors le 20 ça passe, 11 ça passe pas, 8 ça passe pas, et 23 ça passe. Donc 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Radiant magique argent. Très bien. Tac! Donc tu lui donnes un énorme coup et tout. C'est à son. Tu fais autre chose pendant ton tour, Bran ou pas? J'ai le droit de faire un move avec acrobatie pour arriver de l'autre côté de lui. Oui, je te l'accorde. Bon bah je vais faire mon jet d'acrobatie. Toc toc. Acrobatie, je fais 8, donc non, je vais pas réussir à bouger, il me bloque. Okay. Voilà. C'est à lui. Tu vois que les coups que t'as donné, en fait, sa plaie a l'air de se refermer. Faut du feu, hein. C'est la seule chose que je fais pas, excuse-moi. C'est la seule chose que je fais, moi. Il essaie de te donner deux coups de poing. Alors, premier... Je fais un 17 plus 7, je pense que ça touche. Largement. Et le deuxième, je fais un 4 plus 7, je ne pense que ça touche pas. Non. Alors, ça fait du coup tuer la cible de cette créature. Donc ça fait 2. Ok. 1, 2, 6 et 6. Ça, plus tu rajoutes 4 à ce résultat, putain, les dés, où sont ? Ils sont là. 15 plus 4, 19 points de dégâts. Ça fait mal, les gars. Oh là là. Oh, je viens de prendre un tiers de mes points de vie en un coup. L'autre revenant, il s'attaque à toi, Karas. Donc... 10 plus 7, ça passe pas. Putain. Ah oh, putain, il arrive pas de toucher. AP comme, allez, on va enculer. C'est bon ça. Hop, c'est au tour de nos coups. Ah, il a pas le droit de jouer lui. Ce serait bien. Qui va commencer à. Hop là, grimper au mur. Et Spider-Man. Mais... Tac, tac, tac. Alors attends, 2 secondes, hop. Il ne vole pas, c'est juste qu'il... Mais tu vas faire t'as le droit, hein. Et il arrive, il arrive au mur à 7 mètres... 7 mètres de haut. Rien que ça. Il est en haut. Et il va lancer un petit fléau d'insectes. Hein. Oh putain. Assurément. Moi je m'en fous, les insectes c'est mes potes. Oui, bien sûr. Alors je reviens. Rien, hein. Je reviens. La zone, hop, le fléau d'insectes. Je crois que de mémoire c'est du 6 mètres. Fléau d'insectes. Chouk. Alors. Portée, j'ai bon. Concentration.
Alors, vous allez tous me faire... Donc, attends, pas tous, mais... Alors, est-ce que... Si je le balance là, dedans... Bon, oh, oui, vous allez tous me le faire. Sauf moi. Faire quoi ? J'ai de sauvegarde, de constitution, des D17. Ben voilà, c'est un échec. Raté. Attends, je fais pour mes... Oh putain. Bodinoc, il a réussi. Attends, je fais pour mon ours. Ouais, mon ours, il a réussi. Ta chèvre. Il est touché aussi ? Ah bah oui. Alors, attends, chèvre, c'est combien ? Constit... Oh, bon, voilà, ça va être 0. Donc, ça fait... Échec pour la chèvre. Ok. Alors... Constit, c'est quoi en anglais, constitution, déjà ? Bah, c'est la même. Ah, pardon, je me suis trompé. Tu peux lui enlever les 6 points de dégâts. C'est une attaque supplémentaire. Je me suis trompé. C'est d'accord. Pas 2. Du coup, Karas, c'est quoi 14. Ça 14 ouais. Ah non, du coup, non. Alors, max dégâts pour ceux qui ont loupé. Donc, ceux qui ont loupé, vous prenez 25 points de dégâts. Et pour ceux qui ont réussi, la moitié. Donc 25. C'était quoi un D17 ? Bon, bah... C'était un jet de sauvegarde de constitution, donc... c'est... en anglais, c'est quoi déjà constitution ? C'est... la même chose. Fortitude. C'est la même chose. Voilà. Et le degré de difficulté... Oh, le degré de difficulté était de 17. Donc si tu as fait moins de 17, tu voilà, prends la... 14. Voilà. Bon, bah la chèvre, elle est fumée, hein. Pour 25 points de dégâts, là ? Ouais. C'est ça ? Ok. Il y a pas de baie. Et voyez, attends, moi du coup, je prends 25. Est-ce que vous pouvez tous me donner vos points de vie, s'il vous plaît ? Comme ça, je... Ouais. Au passage... Je suis à 15. 8. Alors... Attends, je vais pas me foirer sur ce coup-là. Parce que je vais pas être à beaucoup. Alors, répétez-moi, s'il te plaît, on va commencer par Bran. Bran, tu es à 15. C'est pas beaucoup. Karas ? 18. Et c'est qui a jeté le fléau d'insectes ? Nuku. C'est l'araignée ? Godinok. Ok. Myrlène ? 13. Et enfin, Nounours. 34 moins 25, de toute façon. Il était assez max. Bah non, il a réussi son test, lui. Oui, 34 moins, tu... Hop, moins 12. Donc je fais moins 12 ou moins 13 ? 12. Bah 21, alors. Ok. C'est à Nounours d'agir. Bah, là, je sais pas s'il peut passer pour taper le plus proche. Oui, il peut passer. Ah, il peut, bah il va faire ça là. Il va faire son attaque multiple. Pour faire griffe et morsure. Tiens, d'ailleurs, au passage, vous voyez que les deux aussi ont pris. Hein. Ouais, c'est mais bon, je pense qu'il s'en fout complètement. Alors. Ah, oh, bah réussite naturelle, un 20. Oh, bah vas-y, fais-moi deux fois tes dégâts. Ok. Alors, 2d6 plus 4. Donc 8, 12, plus. Attends, j'ai dit une connerie. Non, 12, 6, 10, donc 22. 22 points de dégâts. Et. Attends, il faut que je refasse une attaque. Alors, la morsure maintenant. Bah, encore un vent naturel. Putain, t'es sérieux toi ? Va voir, je m'en prie. Ok, alors, vas-y. 10, c'est 21. Putain, sale bête, hein.
J'avoue, il a fait 2 vannes sur réussite. Attends, c'est les 2 sur réussite de la journée, là. C'est le truc improbable, quoi. J'ai déjà buté, t'as compris, tu vois. J'ai déjà niqué ton bouc. C'est au tour de Bodinoc. À ce moment-là, vous sentez tous une espèce de froid glacial entrer dans la pièce. Bodinoc se redresse, les yeux noirs. Il commence à prendre un teint noirâtre jusqu'à ce que sa peau devienne aussi noire que ses yeux. Sa silhouette s'allonge jusqu'à ressembler à un grand homme mince. Il fait à présent une tête de plus que Karas et semble léviter à quelques centimètres du sol. Non. Une étrange cape jaune flottant autour de lui. Ne dis pas qu'il se ressemble en lié. Une chose. Quoi ? Karas ! Comment ça, il met une tête ? Je fais 2 mètres, comment ça, il met une tête ? C'est quoi ? C'est pas un édifice déjà. Bon, on peut faire un jet de religion pour savoir ? Tu peux. Quelle est cette merde ? J'adore cette phrase, quelle est cette merde ? moi, je peux essayer de faire nature. Je fais 7, voilà, 2 OD. Religion, ok. Bah ouais, mais 17. Moi j'ai fait 2 OD, alors 17 voilà. Ouais. 17, ça te rappelle des anciens écrits sur des créatures qui ne seraient... qui sont peut-être des dieux, mais qui sont des créatures qui viennent d'autres plans, qui viennent de très très loin. Et la cape jaune, ça te fait penser à... T'as entendu un nom comme ça, mais... C'est des légendes très très lointaines et tout, et tu sais juste que ça parle Astur, c'est le nom qui te revient. Astur. Qu'on appelle, ça, parce qu'en fait la cape jaune ça te fait penser à la légende du roi jaune. Mais tu te rappelles plus trop de quoi, tu sais qu'il s'agit sûrement d'une espèce de dieu, mais tellement lointain que ça te fait penser un peu aux grands anciens, tu vois. Ouais c'est ça, ok d'accord, bon. Karas, bon, bah c'est la fin, les copains! Hein. Karas, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu les moines, toi, hein, quand même, hein? Ouais, bah, est-ce que tu me soignes? Au pire, faudra qu'on me soigne derrière, alors. Vas-y, je vais faire une première attaque sur le revenant, là. Ne bouge pas. Je fais ça tout de suite. Celui-ci ou celui-là ? Sachant que celui qui est devant Bran, c'est l'ennemi juré de Bran, et celui qui est devant toi, c'est ton ennemi juré. Oh bah, celui qui est devant moi. Ok. Alors, hop. T'as bien raison ! Allez, hop, 1 des 20. Pour toucher. 13. Pour toucher. 13, pile poil. Ok, je lance le deuxième tout de suite. Vas-y. Après, je ferai mes dégâts. Un, ça ne passera pas. Non. T'as pas fait un quand même. Si. Alors, fais-moi tes 2 dégâts. Fais-moi tes 2 dégâts. Alors. C'est juste pas possible, quoi. Si, parce que c'est moi. Alors, j'ai 8 dégâts. Épée ardente, ça me fait 24. 24 sur la première ? Ouais. Et après, j'ai 8 dégâts feu et 12 dégâts tranchants. Oh là là. Okay. Oh, Donc tu donnes un énorme coup d'épée dans un premier temps. Alors je vais vous mettre un peu la scène. Tu donnes un énorme coup d'épée en fait dans le revenant. Et puis d'un seul coup, tu vois un truc énorme derrière toi. Tu sais, une espèce de gigantesque bonhomme tout noir avec une cape jaune. Et tu fais « Oh putain, c'est quoi cette merde ?» Et tu donnes un coup d'épée dedans. Oh mais... Bon effet de l'échec critique. Myrlène. Il a eu peur, il a tapé. C'est normal. Comment on peut faire un putain mais... Je sais pas, en jetant le dé. Ah ouais. Je peux pas faire grand chose, donc je sais pas, est-ce que je peux essayer de comprendre ce qui se passe en fait. Tu peux essayer de soigner peut-être, non? Bah là je peux rien faire. Hein. Y a littéralement un dieu oublié qui m'est apparu devant. Hein. Et bah t'as le droit de jeter sur la défensive. Hein. T'as pas de sort de soin toi. Non mais, vous comprenez ce qui vient de se passer ou pas? Bah ouais, je comprends que... Je vous laisse, je te laisse 30 secondes pour agir, Myrlène. 30 secondes. Je sais pas, je vais essayer de voir si c'est amical ou pas. Fais-moi un test de perception. Perception? Bah en fait, je voyais peut-être plutôt essayer d'interagir avec.
Bah, et Body, qu'est-ce qui se passe? Fais-moi un test de perception. 18. Ouais. Tu vois que la créature t'observe, c'est plus du tout Bodinol. Tu ne ressens aucun trait de Bodinol dans cette chose. Mais il n'a pas l'air agressif envers vous. Et il se tourne tout doucement vers les revenants. Okay. Ta chèvre est morte. Caracas. Oui, moi. Hé, copain. Ah, tes copains, hein. Alors, j'avais déjà regardé s'il y avait des pièges sur cette distance-là, je crois. Alors, je te dis ça. Oui, oui. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de piège. Alors. Tac. Je me déplace là, toujours discrètement. Tu veux que je fasse un jet de discrétion? Non, parce que là, en vrai, Nuku, il est focus sur eux. Tu vois tout de même qu'il y a des araignées au plafond, mais que pour l'instant elles n'ont pas l'air de bouger, elles ne t'ont pas repéré, et pour l'instant elles n'ont l'air d'être focus que sur Nuku. Là par contre je suis tout à fait d'accord, Caracas, il a des araignées au plafond. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, t'as fait exprès là, Jérém, ou pas? Même pas. De là où je suis, j'essaie de voir ce qu'il y a un peu... Dans mon champ de vision, là, au niveau de la table, ou l'espèce de dalle qu'elle a creusée ici, là. Alors, perception. Alors, perception. Alors, 11... je crois que c'est 9. Alors, Caracas. Alors, perception. Ouais, c'est ça. 11 plus 9, 20. Alors, tu vois hop là, plusieurs choses. Déjà, tu vois des documents sur la table. Merde. Tac. Ici, comme des espèces de parchemins. Et tu vois aussi... Attends, j'arrive ça. Hop. Donc là, tu vois des documents sur la table. Mmh. Et tu vois une espèce de miroir au bout de la pièce, ainsi que une espèce de herse qui a l'air de protéger une salle plus grande derrière. D'accord. À la fin de mon tour. Ok. Bran, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais prendre mon action pour me soigner de 21 points. Ok. Bah là, ça c'est une fois, et je vais prendre un point de ki pour me désengager et... Elle est où l'araignée? Au plafond. Nuku, il est monté au plafond. Ouais, il est là. Ouais. Bah, c'est le dernier tour. C'est délirant. Bah pour me désengager, je vais aller sous l'araignée. Wow. Voilà, bah je peux pas aller sur l'araignée, je peux pas rester au plafond, les piliers ils soutiennent le plafond, j'imagine. Mmh. Y a pas de moyen de sauter quelque part où je pourrais m'accrocher pour taper l'araignée après? Alors là t'as fait quoi? T'as fait tout ton déplacement là ou pas? Bah j'ai deux fois mon déplacement, hein. Je peux dire j'ai largement la... Je peux aller quasiment où je veux. Hein. Tu pourrais avec un test d'acrobatie en fait. Tu vois, t'appuyer sur le pilier pour... En gros, tu t'appuies sur le pilier, tu sautes pour te donner un coup en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Non, je peux pas taper. C'est juste pour arriver quelque part et y rester. Donc le pilier soutient le mur, celui-là. Oui. Les torchères, le truc en métal qui tient les torchères, il permettrait de se tenir, s'accrocher ou pas? Oui, oui. Bah, je vais aller là, alors. Ok. Voilà. Je peux pas faire plus, hein. Parce que c'est pas la peine que je reste contre le moine, hein. Ah oui, non, t'as utilisé ton action pour te désengager, donc très bien. Donc tu vois que le revenant ici. Il peut pas me faire d'attaque d'opportunité. C'est mon point qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il va se prendre deux attaques, même plus. Il va se prendre... Enfin, en vrai, vous voyez qu'il commence à se déplacer et t'as juste l'homme noir qui attrape sa tête, ferme sa main et en fait, il a même pas eu le temps d'aller plus loin. Il s'est fait broyer le crâne.
C'est bien, continue. Hop, le deuxième revenant. Il va t'attaquer, Karas. Ça passe pas, la première. Ah, peut-être la deuxième. 13 plus 7. 20, ça passe ou pas? Et 20 CA. Bah, ça passe. Ouais, ça passe. Alors, c'est ton ennemi juré, lui. Ça fait 1, 2, 3, 4, 6. Hop. 21 plus 4. Je crois que tu tombes à 0. À moins 12 même. Ouais, mais... Et comment ça se... Tac. Oh, 0 moins 12. Non, bah attends, je vais dire... À donjon, ça change rien. Sauf si tu je passes me mets à 0 en... du sauf... coup. Ouais, sauf si tu passes en dessous de ta... De ta... De sa constite. Moins 3, là, en fait. Sa constite, mais la constite de Karas, il est bien au-delà. Je le mets à 0. Ouais. Ouais. Nuku perd sa concentration et il commence à... C'est quoi? Il est en train de commencer à se barrer. C'est ça. En fait, je viens de comprendre que c'est un mage et que les mages, ils aiment pas le contact. Il m'a vu arriver, il commence à partir. Il a peur, en fait. Nounou. Trouillard! Je lui dis trouillard. Regarde, il tape quand même fort, il m'a niqué mon alligator. Qu'est-ce qu'il fait, Nounours? Ah, Nounours. Pardon, j'avais pas entendu. Bah du coup il y a encore un ennemi au contact avec lui ou pas, parce que je vois pas bien là. Bah il y a encore un ennemi qui est au-dessus de Karas en fait et qui vient de le frotter. Ouais celui-là bah... Allez c'est parti hein. On va l'attaquer hein. Ouais ton test. Alors... J'absorbe ça. Du coup je peux en faire attaque multiple. Oui. Donc... alors 7... ça fait 11. Au toucher. Non. Non, qui n'ont plus griffes, ça passe pas. Et bah ça passera pas. Ok. Vous voyez que cet grand homme se redresse. Pareil, il prend, il approche sa main de la tête de la créature. Il la ferme, la créature meurt sur le coup. Et il y a une voix puissante qui sort de lui. Vous voyez pas de bouche, vous voyez pas d'œil en fait. C'est vraiment une forme d'humanoïde grand, quoi. Un homme mince, long, tout en noir avec une espèce de cape qui flotte autour de lui. Et vous entendez sa voix qui semble venir, même qui semble en fait venir dans votre tête. Cette infâme créature n'est rien d'autre qu'un pantin sans importance. L'objet de vos désirs se trouve en ces lieux, mais en possession de son maître. Écrasez cette petite araignée et rejoignez-moi. Tu vois qu'il commence à se barrer, il fait juste un petit claquement de doigts, vous récupérez tous vos... Vous revenez à full, tous. Moi ? Toi aussi, ouais. Que pour les points de vie ou les sorts aussi? Non, points de vie. On va se calmer. On sait jamais. Tu sais, vu que c'est un dieu, bon... Vous faites un rejet de un jour en une seconde, ok? C'est normal. Zéro moyen. C'est méta, ok? Toi, Karatas, pas perdu de points de vie. Et juste avant de se barrer, il se tourne vers toi, Karas, et vers toi, Bran. Et vous entendez tous les deux dans votre tête, donc toi, Karas, t'entends ça. Fils de Karandax, lis à voix haute l'élégie pour le premier monde et accepte ton destin. Le devoir implique souvent des sacrifices, tu t'en rendras vite compte. Et toi, Bran, tu entends ça. Moine de l'âme solaire, ce que tu protèges est d'une importance capitale pour ce qui va suivre. Mais si tu ignores de quoi il s'agit, l'espoir sera englouti avant même de pouvoir se révéler. Hop, il flotte en fait dans les airs et il se barre. Et il vous dit, donc, enfin en gros, il vous a dit de le rejoindre lorsque vous aurez écrasé la petite araignée. Bran, il va avoir 2-3 explications à fournir quand même. Et au passage aussi, pardon, hop, Nuku s'est cassé la gueule, ses araignées se sont cassées la gueule. Et d'ailleurs, ces araignées sont même mortes en fait. Donc c'est nos coups tombent et ces araignées meurent. Ouais. Donc il y a une araignée qui tombe devant toi, Karakas, et morte, elle tombe.
Ah ouais, mais moi ça va pas me déranger de le tuer, Noku. Et en gros, il vous a aussi fait comprendre que, en gros, hop, il faudra aller dans cette pièce une fois que vous aurez tué Noku. D'accord. Donc quand il parle de rejoindre, c'est littéral. En gros, il vous dit qu'après, il faudra le rejoindre. Ouais, c'est ça. Mais il nous a pas dit où. Parce que des fois, c'est rejoindre mon camp, mais là, c'est littéral. Karas. Est-ce que je peux avancer de 9 mètres et tirer à l'arbalète? Alors là, déjà, tu vas devoir te relever. Tac. Donc, c'est une demi-action, je crois, de se relever. Et tu vas pas pouvoir avancer de 9 mètres, tu vas pouvoir... C'est une action de mouvement, c'est pas une demi-action, c'est une action de mouvement. Donc tu veux, il faut, pour tirer à l'arbalète, t'as une... combien l'arbalète déjà? Je pense que c'est assez loin une arbalète, en toute logique. Il peut pas se déplacer, mais il peut tirer, je pense. Ouais, c'est ça, il peut tirer. Ah oui, 22 mètres ici, d'ailleurs. Je tire dessus, quoi. Ok, donc ça passe, tu peux tirer. Ok, bah je lance mon dé. Euh, 22 pour la défense. Ouais. En perso, je 8. Ok. Donc tu lui tires dessus et t'as un carreau d'arbalète qui se plante dans la grosse araignée. Ok. Et est-ce qu'il faut que j'active mon bonus de plus 2 aussi ou pas? Je sais pas si c'est fort ça, donc je sais pas si ça compte. Bonne question, l'arbalète, je sais plus. Je pense pas que ça compte hein, à mon avis. L'arbalète, je sais plus, parce que je sais plus si c'est force ou dextérité, justement. Non, l'arbalète, tu rajoutes dextérité. Rien. Ouais, on est d'accord. L'arbalète, tu rajoutes rien, c'est juste... D'accord. Bon, ça fait juste 8 dégâts, là. Ok. Merde. Ma gueule, là. Hop, donc, Karas, t'as joué Stamirlen. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que j'allais devoir m'expliquer. Je dirais que c'est Bodinok qui doit s'expliquer d'abord. Puis après, une fois qu'il sera expliqué, je serai parti. Moi, du coup, je vais faire pareil que lui avec mon arbalète légère. Donc 19 et 6 perçants. 19, ça touche. Et combien? 6? 6 perçants, ouais. Okay. J'ai la même arme qu'on a en fait. Ok, donc il y a un deuxième carreau qui se plante dans la grosse araignée. Ouais, je vais rester à côté de Carrasco. Bookmore, Caracas. Hélas. Alors, Caracas, il va se mettre... Bah, il va rester planqué derrière son poteau, là. Tu fais combien de dégâts, Myrlène, là? Et... il a un angle de tir sur le dernier. Ouais. Là, tout droit. Bim. Allez, c'est parti. Allez, donc, enfin. Tu vas attaquer, putain. Allez, bah, il va y avoir tous les bonus de roublard, tu vas voir. Alors, 12 plus. De même. Non, je vais pas dire de conneries. Plus 22. 49 12 plus 100, alors non, c'est 12 plus à l'attaque plus 10, 22. Ok, ça passe. Donc 22 pour toucher. Ensuite, donc les dégâts, ça va être 6d6 plus 6d6 plus 10, non, plus 1 plus la dex. La dex, ça s'ajoute ou à l'arc, ou je sais plus. À l'arc, je pourrais pas dire. Oui, à l'arc. Non, mais au niveau des dégâts. Non, c'est pas plus 10, c'est plus 6. Et oui, au niveau normalement, oui, c'est oui. En tout cas, c'est moi, plus le bonus de dex. Ouais, c'est ça, plus le bonus de dex. Ouais. Ok. Donc, bonus de dex, j'ai bien un 5. Donc, ce sera. Et puis, comme c'est un arc magique, c'est plus 1, donc plus 6. Donc, je fais mes dégâts. Alors, les dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6, ça fait 25 points de dégâts. Ok. Et maintenant, je vais lancer un des 100. Ouais.
C'est quoi, ouais. Du coup, 50... On n'a pas dit, ouais, c'est... Je l'ai écrit, t'inquiète. C'est toi, c'est moi, du coup. Je vais te dire ça, faut que je relise, parce que... Des je m'en souviens pas... Ah, attends, deux sports, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. J'ai peur de comprendre. Alors, putain, il est où cet objet? Attends, faut que je clique sur l'attaque, simplement, je pense. Alors, tac. Désolé, c'est une première utilisation. Alors. Ouais, pas de problème. Alors, lancer un dé de 1 à 50, la cible est repositionnée par le joueur. C'est bon. Connard. Alors, vas-y, dis-moi où est-ce qu'il va. Vous voyez donc Caracas qui tire sa flèche, et en fait, au moment où la flèche se plante dans l'araignée, en fait, l'araignée disparaît. Et elle réapparaît où? Merci, Magré. Bah, le truc, c'est que là, malheureusement, il n'y a pas grand intérêt pour moi. Alors, on va juste. Bah, elle voulait se barrer par là-bas, donc on va la faire reculer. Pas trop près, s'il te plaît. Bah, elle va tomber, elle va tomber là. Hop, et elle réapparaît ici. Je dois faire un jet de sauvegarde, je crois. Jet de sauvegarde sagesse, de... Sagesse, DD 17. DD 17... Allez, faut que tu te foires, là, comme ça tu seras étourdi. Fais combien de dégâts, là, Yann? 14, 15, 16. Je fais 16. Allez, et BD. Yes. Vous voyez que Nuku apparaît, en fait, à un endroit où il s'attendait pas du tout à être, et en fait, il est en mode, il comprend pas ce qu'il fait, là. Bran, c'est à toi de jouer. Alors, il est juste en dessous de moi. Ouais. Ouais, il l'a fait. Il a, en fait, ouais. Quand Caracas lui a tiré dessus, la créature a été téléportée. Bon, bah, je me laisse tomber sur lui et puis je fais mes deux attaques. Il a fait 25 points de dégâts pour te répondre, du coup, Caracas. Donc, hop, je tombe sur lui. Je frappe. Vas-y. Je mets un point de ki. Non, je mets pas un point de ki. Je rajoute une attaque avec mes bras, donc j'ai trois attaques. Et je vais mettre un point de ki pour que j'ai Stunning Strike. Donc il risque d'avoir un problème. S'il rate son jet de constit, il sera sonné. Il est déjà sonné. Il est hébété là. Ah non, il est hébété, d'accord. Il est hébété, il est pas sonné. C'est moi qui m'avais étourdi hein, sur le. C'est mieux. Ah mais étourdi, je crois que ça n'existe pas, je me suis bourré. Du coup, je vais marquer BT. Donc, dans ce cas-là, je vais pas faire ça, je vais mettre un point de ki pour faire un déluge de coups. Donc, je vais avoir 5 coups. Faire plutôt ça alors. Allez, mes 5 attaques. Let's go. Allez, rends-nous fiers, Son Goku. On est tous les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain. Eh, il y a une réussite critique? Ouais, réussite critique ouais. En plus. Hein. Est-ce que le 13 passe? Non, c'est... non. Alors, si le 13 passe pas, j'ai droit de rajouter un point de ki pour rajouter plus 2 pour toucher. Bah ça passe du coup. Voilà. Oh yes. Fais ça. Voilà, c'est fait. C'est et bon. Du coup, sur les deux dernières attaques, elles passent. Donnez-moi les résultats, les gars, j'ai pas le roll. Pardon. Alors, 3 fois 7, 16. Est-ce que 16 ça passe? 16 ça passe. Bon bah tout passe alors, 7 et 7. Alors tout passe et sur les deux dernières 25, attaques, 25. Il va faire un jet de... Ça fait 37. 37 ? 37 ? C'est 4, 10... 38 même. 36, attends, je calcule, pardon. Donc 7 et 6, 13. 13 et 4, 17. 17 plus 21, 38 effectivement. Ok. 28. 3 fois 7, 21. 28 non, non, 38. Ah non, 38. Oh, y a... Allez, maths pour débile profond. 38 points de dégâts. Non, c'est ça. Ok, et sujet de sauvegarde 2, tu m'as dit Il est toujours là au bout des 38 points de dégâts? Bon, bien sûr. bien sûr. Donc, jet de force, sinon il est repoussé à 4m50. Des combien ça doit être 13, je crois. Bah, ça, 14. Il est repoussé. Et j'ai deux decks, sinon il est au sol.
Bon, par contre, il n'est pas au sol. Bon, bah, il est repoussé de 4m50. Ya! Voilà, je crois que j'ai fait du mal. Mmh. Ok. Revenant. Mort, oh. Mort, Nuku, hébété. Il agit pas, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Hein. Hop, nounours! Là, il va essayer de charger l'araignée. Par un coup. Il est un peu loin. Oui. Ouais, bah il va faire le chemin qu'il peut. C'est combien en fait et... Bah tu peux le faire. En fait, tu peux le faire foncer pour aller au contact si tu veux. Ouais, mais non. Je crois que c'est 12 mètres hein, ton ours. Je vérifie, mais ouais, c'est ça, 12 mètres. Allez, il peut escalader sur 9 mètres d'ailleurs, ça j'avais pas vu. Hop, la créature, du coup, hop, disparaît derrière la porte. Karas. Que moi je peux faire une charge, aller jusqu'à elle. Tu peux possiblement foncer, ça veut dire que tu aurais 9 et 9, ça fait 18. Tu arrives, en fait, tu peux foncer, mais tu prendrais tout ton tour en fait pour arriver à son contact. Et tu pourrais pas le taper par contre. Mais tu seras à son contact. Et à la fin, et je peux mettre en défense totale à la fin. Non. À moins que ce soit une action bonus, mais je crois pas. Non, c'est pas une action. Non, c'est une action complète, c'est une action complète. Un bonus. Donc là, non, bah écoute, c'est quoi, je vais faire 9 mètres. Je fais 9 mètres et je vais tirer la balette. Ok, vas-y, fais-moi ton jet. Vas-y, c'est parti. Excusez-moi, il y a des mecs qui passent en moto là qui font les kékés. Alors, 87. Quoi? Non, je déconne. Si, c'est 87 en jeu. Du coup, 12 pour la CA et 6 en dégâts. Tu m'as dit que 12 ça passe pas. Ça ne passe pas. Ok. Ok. Myrlène. Moi j'ai que des sorts de. J'ai fait mes deux actions là. J'ai que des sorts de zone à envoyer, ça fait chier. Ah ouais, tu peux attaquer deux fois Ah bah non, pas avec une arbalète. Non, mais je peux mettre en défense totale. Attaque multiple, si. Arbalète ou pas Oui, mais je peux, à la place de t'attaquer deux fois, je peux mettre en défense totale. Ah, par contre, ça, tu peux. Non. Ah non, c'est une action complexe, ouais. Non, mais même, de toute manière, en fait, quand t'as l'option attaque multiple, tu peux attaquer deux fois, mais ça te permet pas de dupliquer ton. Enfin, d'avoir deux actions, en fait. C'est quand tu attaques une fois, tu peux attaquer une deuxième fois. Mais du coup, je peux pas mettre en. Du coup, bah, je fais ma deuxième attaque. Ouais, vas-y, fais ta deuxième attaque. Ouais, 9. 9, ça passe pas 9. Ouais, je sers pas grand chose, hein. Putain. Myrlène. Non, bah moi je vais continuer à tirer à l'arbalète. Ok. Mais honnêtement, je peux pas faire grand chose d'autre. Oh, j'attends pas. Ouais, ça passe pas. Ils ont pas envie d'aller faire les kikis ailleurs là, les boussons. Pardon, chef, mort. J'ai fait un lancer à 3 et un lancer à 6. Caracas. Caracas. Bah, action bonus, se cacher. J'ai bien tapé, toi. Viens me battre, là. Plus 13, 21. En discrétion. Ça passe? Ça passe. Ok. Et bah, dans ce cas, on va refaire une attaque. Bon, bah, là, ça passe, c'est sûr. Les dégâts 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29 plus 6, 35 points de dégâts. Mmh. Et le descend. 10. Ouais, ouais, encore à toi. Alors, il va atterrir entre Caras et l'ours. Bon, cette fois-ci, il est pas. Enfin, les BT, ça marche pas. Hein. Yes. On avait dit que c'était qu'une fois toutes les 24 heures. Ouais. Enfin, pour la cible. La cible était immunisée pendant 24 heures, c'est ça. Yes. Hop là. Et c'est quoi ton sort qui peut faire ça, Yann? C'est l'enchantement de l'arc. D'accord. Putain, c'est fat.
Ouais, mais par contre, sur 50, c'est Jérémy qui choisit. Enfin, sur plus de 50, c'est Jérémy qui choisit la destination de la cible. Du coup, faire moins de 50 en fait, alors. Voilà, c'est ça. Alors, le retour, moi je fais la même. On va se faire du. Tout à l'heure. Alors, un point de ki pour avoir mes 5 attaques. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, après, je vais plus pouvoir faire grand chose. Et je commence encore par un critique. C'est quand même. Bien. 18, 21, 24 et 13, ça ne passe pas. Mais comme je rajoute un point de ki, mon dernier, ça passe. Hop, j'ai plus de points de ki et je lui fais un total de. Je vous dis ça tout de suite. 11. Putain, mais les mecs, ils font que des russes. 21, 30, 35 points de dégâts. Non, tu lui fais extrêmement mal, mais il est encore debout. Merde. Et c'est à lui d'agir cette fois-ci. Ouh, je vais te foutre une putain de tarte. Eh, hey, t'es pas tout. Ah non, bah non, t'es plus bêté. Ah non, mon. T'es bêté pendant. Pop, pop, pop. Sur mes deux derniers coups, pareil, hein. Pour être tombé, pour être au sol et pour être poussé de 4m50. Bran, il t'attaque 3 fois. T'as entendu ce que j'ai dit ? De quoi ? C'était un déluge de coups, donc sur mes deux derniers coups, oui, pardon. J'ai de force pour être poussé de 4m50. Force. Et j'ai de sauvegarde Dext pour pas être au sol. Force, il est projeté et par contre Dext par contre il résiste. Voilà. En même temps, il a pas mal. Ouais, bon. Il est au sol. Donc il est repoussé de 4m50. Et du coup, il se prend les attaques d'opportunité ou quoi? Bah oui, forcément. Il se balade. Par Nuku et l'ours. Par Kera, c'est l'ours du coup. Bah ouais, il se balade dans votre zone. Hein, donc. Oh, enfin, yeah. Il se balade. Il a pas le choix, mais. Moi, je dis qui c'est le meilleur. Allez, Karas, vas-y. Elle nous a dit. Ouais. Par contre, l'attaque d'opportunité, c'est mort pour Kera s'il a l'arbalète. Ah bah oui, non. Oui. Donc l'ours. Par contre, l'ours. Oui. Bah, je pense que ça ne touche pas. Ça fait combien? 6. Ah ouais, non. Donc c'est à nos coups. Hop. Qui se trouve du coup maintenant face à Karas et face à Nounours. Donc il va y avoir une baffe pour Nounours et deux baffes pour Karas. Donc on va faire. Sur ma grande tombe de Berserk, alors Nounours. Cette partie-là, j'aurais fait que prendre plein la gueule. 10. T'as base ou pas? Il a combien de CA Nounours? Nounours. Il a 11. Putain! En même temps, j'ai perdu. Eh ouais! Merde. Vraiment, j'ai de merde. Bien fait. Et Karas, tu attaques 2 fois. Alors, putain, loupé. Putain, loupé. Oh, le vénère. C'est à Nounours. Vas-y. Eh, hey, saloperie, je vais te faire l'attaque multiple. Voilà, exactement. Je vais te bou... Oh, on dit... On peut... Combien? On peut dire que le G, il a pas marché, là, ou pas? Combien? Bah, un échec critique. Ah bah non, le Nounours il le loupe complètement et il se met juste en face de ses crocs. Bah du coup la deuxième attaque je peux la faire ou pas? Ah non, on va peut-être faire une critique. Bodinok il est parti, Karas. Vas-y hein, moi je le déglingue. Peut-être direct. Mais par contre, deuxième, du coup tu dois lâcher ton arbalète et prendre ton épée si j'ai pas de bêtises. Tu lâches ton arbalète, tu prends ton épée. Donc ton arbalète est tout seul, faudra la ramasser. D'ailleurs, je sais pas comment ça marche, ça, Je la lâche. Pour changer d'arme, ça prend une action ou... Non. En fait, lâcher ton arme, ça coûte rien. Et récupérer ton arme, c'est dans ton action de mouvement. Par contre, ça compte ton mouvement. Ah ok, d'accord. Et donc, tu récupères ton arme et tu peux taper. Elle peut se déplacer en sortant son arme, mais de toute façon... De toute façon, tu es au contact de la créature. Elle s'est avancée vers toi, elle essaie de t'attaquer tout à l'heure. 20 pour la CA. Ça va. 8 en dégâts de feu, et 8 en dégâts de feu, 8 en dégâts tranchants. Dis-moi comment t'achèves cette créature.
Oh là là. Merci. Je lui coupe le dard. Il coupe le dard. Ouais non, eh, prendre une arme, c'est une action si tu lâches ton arme en fait. En gros, lâcher l'arme, c'est une action bonus. Et prendre l'arme, c'est une action. Ou une action bonus, mais comme t'as qu'une action bonus par tour. Donc soit au round 1, tu utilises ton action bonus pour lâcher ton arme. Et au round 2, tu utilises ton action bonus pour sortir ton épée et ensuite taper. Ou alors au round 1, tu utilises ton action bonus pour lâcher l'arc ou l'arbalète. Et ton action normale pour tirer ton épée. Et par contre, tu peux pas attaquer. Alors, de toute façon, les gars, quoi qu'il arrive, de toute façon, il lui restait 4 points de vie. Il y avait Myrlène, ah, oui. Vous alliez tous agir. Voilà, on va pas se rembêter de tout ça. Vous avez achevé le coup, de toute façon, là, le truc, c'était qu'il fallait que j'agisse pour au moins essayer d'en flinguer un. Mais voilà. J'ai fait 70 points de dégâts. Force au moine. Et ben moi, je vais récupérer ma javeline. Dans ses entrailles. Moi, je récupère mes flèches. Ta javeline, elle est pas dans ses entrailles, hein. Elle est quelque part au fond parce qu'elle fait une ligne. Messieurs... Non, elle se retransforme en javeline au contact de la cible. Messieurs. Maintenant, c'est marqué une ligne, ça veut dire qu'elle touche plusieurs personnes dans la ligne. Non, il y a marqué qu'elle se retransforme en javeline au contact de la cible. De la cible. Donc si la cible est l'araignée, la javeline, elle est dans l'araignée, effectivement. Chaque créature sur la ligne, à l'exception de... Ouais, c'est bon, on récupère tous les mecs, on récupère tout. Alors, je mets fin. Ah, d'accord, je comprends. Je coupe le live, je le relance immédiatement. Ça fait une heure. Donc, fin du live pour le relancer. À tout de suite.